Salut à toi, c'est Mathias. J'espère que tu vas bien. Je suis bien cadré au moins. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok, aujourd'hui, journée assez spéciale. Je passe mon examen, mon partiel de droit. Donc là, il est 10h, 10h14 environ, 10h15. Donc on est le matin, mon partiel est à 13h30. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. C'est pour ça, ces derniers temps là, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. Ma résolution de janvier, elle est déjà un peu, comment dire, de 2020, je veux dire, elle est déjà un peu pas trop respectée. Mais on va dire que je vais me rattraper par la suite. Voilà, je sais qu'en ce moment j'ai pas été trop régulier. Mais donc voilà, aujourd'hui je passe mon examen que je révise depuis maintenant presque un mois, même plus. J'espère que ça va le faire. Voilà, peut-être que toi aussi tu passes des partiels ou même le bac. Il y a une épreuve de bac, je crois. Vers janvier, enfin bref. Voilà, bonne chance à vous, bonne chance à toi surtout. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire? Oui, hier aussi, si tu sais pas, je me suis pété le ligament croisé intérieur, enfin pété, non, arraché. Et donc, je devais peut-être me faire opérer. Hier, j'étais voir le chirurgien et j'ai pas besoin d'opération, mais juste de la grosse réduc, quoi. Donc ça, c'est top, pas besoin d'opération du coup. Et donc voilà, franchement, ça fait plaisir, quoi. Putain, c'est moi, je viens de me cracher dessus là, je suis dégueulasse, attends, attends. Ah, c'est sale! Je crois que je viens de me cracher dessus quoi. Ouais, bref. Du coup, que dire d'autre? Je te cache pas que là, je suis pas trop bien, parce que moi en fait, les examens, c'est un truc qui m'angoisse de ouf en fait. C'est pas fort, enfin, c'est pas tellement le fait de vouloir réussir, mais c'est genre l'ambiance et tout, ça me stresse quoi. C'est genre être assis sur des chaises et tout dans un amphi, je sais pas, en plus, les sièges ils sont pas confortables. Donc, franchement, c'est vraiment une atmosphère qui me pèse, quoi. J'aime pas ça du tout. Et ça me fait chier, clairement. J'ai une grosse flemme d'y aller. Donc voilà, on verra bien au pire. Puis voilà, j'espère que tu vas bien. J'espère que cette nouvelle année commence bien pour toi. Moi, elle commence bien pour moi, du coup. Dans le sens où je me fais pas opérer. Puis voilà, je compte sortir toujours des vidéos quotidiennes, voilà, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel. J'ai vraiment envie de voir ce que ça fait de faire un contenu quotidien sur la durée. Donc, j'avais une bonne période là de septembre à décembre, puis en septembre ça a un peu chuté parce qu'avec les fêtes et tout c'était assez compliqué, mais voilà, j'espère que je vais maintenir un rythme assez régulier et quotidien. Voilà. Si tu as des questions, commentaires à me poser, des conseils, enfin des questions ou des choses que j'avance dans mes vidéos, que tu veux que je parle dans mes vidéos, il y a aucun souci, je lirai tes commentaires, voilà, tes propositions. Puis voilà, c'est à peu près tout, hein. J'ai rien de plus à te dire. Clairement, je te ferai un point du coup pour savoir comment s'est passé mon examen, si j'ai foiré, si j'ai réussi. Donc voilà, je te ferai une petite vidéo prochainement pour t'expliquer tout ça, pour te faire part des nouvelles, quoi. Puis voilà, que dire d'autre? Que dire d'autre? Ouais, cette année, j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté pour YouTube, voilà, parce que c'est l'année où jamais, j'ai pas beaucoup de cours. Étant donné que je redouble et que j'ai que quelques matières à repasser, j'ai vraiment envie de tenter ma chance sur YouTube, c'est vraiment ça, quoi. Donc, de m'y investir assez fortement, on va dire. Parce que c'est le moment que jamais. Donc voilà, même si je sais que des fois, il n'y a pas forcément de vidéos intéressantes. Voilà, pour moi, c'est vraiment important de faire un contenu quotidien. Et je comprends totalement que ça ne pourra pas être, ça pourra pas t'intéresser tous les jours ce que je fais. Et c'est normal parce que d'un côté, je raconte un peu ma vie. Des fois, il y a des vidéos conseils, entre guillemets, où je te fais part de mon avis, en fait, sur des choses. Et donc voilà, je comprends qu'il y a des vidéos qui vont te plaire et d'autres pas du tout. Donc voilà, c'est à peu près tout dans cette vidéo. J'ai rien de plus à dire. Ça serait parler pour ne rien dire. Donc on se retrouve très vite demain du coup pour une prochaine vidéo. Je te ferai part de mon examen. Voilà, comment je l'ai ressenti, comment ça s'est passé. Puis voilà. Ah oui aussi, non, j'arrive à la fin de Game of Thrones parce que si tu sais pas, je regardais Game of Thrones. J'ai jamais vu la série. Là, je suis saison 8, épisode 3. Donc là, ça part un peu en couille. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé la série, mais pour l'instant, ouais, j'ai une petite pointe de déception. Je te ferai part de mon avis sur la série à la fin, quand j'aurai tout regardé, mais j'ai une petite pointe de déception. Donc voilà, je vais bientôt finir la série aussi. Et je te ferai part de tout ça, voilà. Donc d'ici là, porte-toi bien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathias.